Si vous entendez un petit bruit énervant, ne vous inquiétez pas, c'est simplement des abeilles qui essayent de rentrer dans ma chambre. Salut à tous! J'ai beau chercher, je ne me souviens pas de la dernière fois où je vous ai parlé d'un roman en vers libre. Je pense que ça doit faire un an, quelque chose comme ça. Étonnamment, c'est quelque chose qui s'est mis à me manquer, parce que généralement, les romans en vers libre, je les lisais plutôt en été. C'est un genre littéraire que j'ai appris à aimer grâce au roman de Sarah Crossan, qui est une autrice irlandaise de talent qui fait clairement partie de mes autrices préférées. Étant en manque de récits poétiques, je me suis dit je vais chercher un petit peu, voir ce que je peux trouver, et je suis tombée sur un roman court qui avait l'air plutôt sympa sur Instagram. Aujourd'hui je vous présente donc En apnée de Meg Graham aux éditions Talent Haut, et c'est traduit par Eileen Manceau. C'est le premier livre de chez Talent Haut que je vous présente, je pense. Maxime, c'est une jeune fille de 11 ans. Elle vit seule avec sa mère, avec laquelle elle a une relation très fusionnelle. Elle aime lire des livres et elle aime savoir beaucoup de choses sur beaucoup de sujets différents, comme par exemple les animaux marins. En fait, le truc de Maxime, c'est qu'elle aime comprendre le monde dans lequel elle vit, parce que le fait de savoir la réconforte, la rassure. Sauf que notre petite héroïne, elle ne s'attendait pas un jour à se trouver face à un phénomène qu'elle ne pouvait pas expliquer. On va appeler ce phénomène Chloé. Elle est incapable de définir ce qu'elle ressent pour sa camarade. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, dans son corps. Bref, Maxime est perdue et elle a besoin de réponses. Je ne suis tombée que sur des avis positifs de ce livre. Tout le monde disait « Waouh, mais il est incroyable, j'ai pas arrêté de pleurer. » Enfin bon, bref, il avait l'air fou. C'est un flop de mon côté. Je lui ai mis 2,5 étoiles sur 5, la moyenne. Je trouve qu'il ne mérite pas plus, pas moins. Je vais me faire haïr pour avoir dit ça. Mais écoutez, c'est mon ressenti, lui et moi, ça n'a pas collé. Et je trouve que 14 € c'est cher pour ça. Surtout que c'est du roman en vers libre, hein, donc ça prend pas beaucoup de place. Hein. Donc voilà, déjà niveau prix, j'en parle rarement. Mais quand c'est comme ça, je me dis, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Vous voyez, quand vous avez ça... que le livre fait cette taille-là, vous ne payez pas 14 €. On va parler de la couverture, et je la trouve vraiment cool. Honnêtement, je la trouve chouette. En plus, c'est un livre jeunesse, et des couleurs comme ça, ça attire l'œil, ça ressort dans une bibliothèque, donc très sympathique. Comme vous pouvez le voir, on a un univers marin qui correspond plutôt bien à Maxime, et Maxime au milieu qui nage, tout simplement. J'aime bien les détails, j'aime bien les petits poissons, les poulpes, les tentacules, tout ça. Je trouve ça chouette. Le côté en apnée, sous l'eau, tout ça, ça correspond très bien à Maxime qui expérimente du coup le fait de se découvrir, de ne pas savoir qui elle est. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien retranscrit sur son visage. On voit vraiment qu'il y a un questionnement, qu'elle est un peu paumée. C'est... non, la couverture est fidèle à l'histoire. On aime bien, c'est coloré. C'est à destination de la jeunesse, donc c'est très... voilà, c'est visuel. Très bon point là-dessus. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je m'étais posé la question de savoir si j'aimais les romans graphiques ou si j'aimais la personne qui me les avait fait découvrir, à savoir Alice Osman, et si jamais je tentais un roman graphique d'une autre personne, est-ce que j'aimerais? La réponse avait été oui. Là, je me suis posé la même question. Est-ce que si c'est pas Sarah Crossan qui écrit l'histoire en vers libre, est-ce que je vais quand même l'apprécier? Et ben là, je suis moins sûre. J'ai pas été emballée par ce roman court. Voilà, c'est dit. Et pourtant, je suis convaincue que j'aime les vers libres, alors... est-ce que c'est le fait que ce soit trop jeunesse? Peut-être. Les phrases étaient mignonnes, mais j'avais vraiment du mal avec un côté répétitif, mais qui était très, très redondant pour le coup. Et je trouvais aussi que l'histoire manquait de dynamisme. Je m'ennuyais. En fait, c'est ça le truc. Je m'ennuyais en lisant ce livre. Parce que pour moi, il ne se passait rien, et vraiment, ça tournait en rond. Je suis très triste d'avoir été déçue par ce livre, parce que tout le monde disait « Waouh, il est incroyable, tu verras les émotions que tu vas ressentir, tout ça, nada, walou !» Je vous jure, j'ai essayé, hein. J'y suis pas arrivée. Je m'attendais largement à quelque chose de meilleur. Là, je vais pousser un petit coup de gueule, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Les fautes d'orthographe. Là, c'est pas l'autrice le problème, c'est pas non plus l'histoire. Les fautes d'orthographe, c'est la maison d'édition, et c'est la relecture surtout. Lorsque j'ai lu le livre, j'ai trouvé des fautes d'orthographe. Ce n'est pas normal. J'ai payé 14 balles pour avoir un livre, déjà, qui est tout petit, où le contenu est pas... voilà, il remplit pas les pages non plus. Et en plus, il y a des fautes d'orthographe. Faut pas abuser.
Moi, quand j'achète un livre, je m'attends à ce que l'extérieur soit aussi bien que l'intérieur. Là, c'est pas le cas. On est clairement sur un livre destiné aux jeunes à partir de la 6e, voire même du CM2. Il n'y a pas de thème choquant et tout est abordé avec délicatesse. J'applaudis quand même le fait que le sujet de l'homosexualité dans un livre destiné aux jeunes comme ça, c'est quelque chose de très dur à traiter et ça a été fait avec une main de maître. Avec énormément de douceur. Quand il y a quelque chose de bien, faut aussi souligner. Le dialecte du roman n'est vraiment pas complexe et lorsqu'il y a des termes un peu compliqués, comme c'est le cas par exemple pour l'univers marin quand elle parle de certains animaux, eh bien l'autrice prend le temps d'expliquer le terme. C'est un récit qui est très accessible et sans prise de tête. Maxime, c'est une petite fille qui a beaucoup de questions et qui a besoin des réponses pour être rassurée. Elle est la définition même de l'innocence, je veux dire c'est une enfant, elle est posée, elle est curieuse, enfin c'est une petite fille. Quand on a son âge, on découvre des sentiments nouveaux, on se recherche soi-même et je trouve que dans ce livre, les émotions comme ça sont très bien retranscrites. Notre héroïne, elle est compatissante, elle est observatrice et à la moindre petite émotion, elle va nous l'expliquer avec ses yeux d'enfant. On partage la vie de Maxime, on partage la vie d'une petite fille de 11 ans qui se cherche. Elle veut comprendre ce qui se passe en elle, ce qui se passe dans son corps, ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête. Voilà, elle est en pleine découverte. Personnellement, je n'ai pas ressenti d'émotion particulière, mais je conviens qu'il y a eu des moments touchants. Le problème, c'est que moi, comme je n'étais pas prise par l'histoire, eh bien, j'ai rien ressenti. Néanmoins, il y a un chapitre qui m'a marquée, mais vraiment. Ça m'a rappelé en fait pourquoi je me battais pour l'inclusivité et les représentations dans les livres. J'ai trouvé ce moment fascinant, parce que ça a été très bien amené. Maxime, elle se retrouve face à une bibliothécaire, qui lui explique avec ses mots à elle, qu'il est très important d'avoir des personnages qui nous ressemblent, parce que ça nous permet de nous comprendre et de comprendre le monde dans lequel on vit. Quand je crie haut et fort que la représentation a son importance dans les romans, c'est parce que ça en a une. Et Maxime, petit personnage de 11 ans, en est la preuve. Ça fait du bien de se sentir représenté et la bibliothécaire a tout compris. En fait, Maxime, elle explique que, bah elle, quand elle va dans la section pour enfants, il n'y a aucune princesse qui tient la main à une autre princesse, qui est amoureuse d'une autre princesse. Et c'est donc le souci de la représentation. Les livres, ça permet l'apprentissage et la découverte de soi, de notre société, de notre monde. Et s'il n'y a pas de représentation, s'il y a toujours les mêmes thèmes abordés dans les livres, bah ça va pas. L'inclusivité, c'est hyper important dans les livres. Je ne ferai que le répéter. En soi, en termes de personnages, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous ai déjà bien parlé de Maxime, qui est une enfant, voilà, qui est très curieuse et qui se découvre. Sa mère est vraiment une femme très sympathique. Elle est pleine d'amour, elle est compréhensive. Vraiment, c'est une femme très bien. Et par certains aspects, elle m'a aussi rappelé la bibliothécaire. On est face à des personnages qui sont quand même beaucoup dans la compréhension, dans l'écoute. Et ça fait du bien, des adultes à l'écoute. Beaucoup de bienveillance et de respect dans ce livre. C'est un roman court en vers libre qui est plutôt accessible. Même si j'ai pas réussi à accrocher, j'avoue qu'il est simple et qu'il a quand même des thèmes très sympathiques. Je vais continuer à explorer un peu l'univers des vers libres à la rentrée. J'ai déjà repéré un livre chez Page Turner qui me tente énormément. Je vais peut-être enfin savoir si le problème c'est le genre littéraire ou tout simplement que je n'ai pas aimé l'écriture de Meg Graham. Il y a une mouche qui m'embête, dans 5 minutes elle est morte, hein. Sachez-le, quand je coupe ma caméra, c'est la fin de sa vie. C'est une histoire douce, sans prise de tête, simple, accessible aux jeunes, avec une héroïne lesbienne. Peut-être que Maxime sera une héroïne qui marquera certains enfants, la représentation qui leur manquait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !